have a sister who's a violinist. So since I was a young kid, I of course heard her play the Symphonie Espagnole many times. Apart from that, I recently found out about his piano trio of Lalo, the quintet, and of course the cello concerto is often played, but I hadn't played it before I was asked to record, so I had to learn it. Well, I think with Lalo, it's kind of a special situation because he is, after all, French. If you only listen to his music, you would assume immediately that he was Spanish. So naturally, you get this kind of a combination of something to do with this, you could say, a Spanish matador, you know, with his pride, and combining with the kind of charm of a Frenchman. C'est pour nous, évidemment, aussi une mutualisation de compétences, puisque nous préparons ces jeunes solistes dans ce projet, nous les préparons très en amont. Ils travaillent avec leurs professeurs, à la fois Maria Jo Pirej, Augustin Dumay et Gary Hoffman, qui préparent ces jeunes violoncellistes, violonistes et pianistes pour ces enregistrements. Ensuite, Jean-Jacques Kantoroff, qui est la cinquième pièce maîtresse du puzzle, et qui est sans doute le meilleur choix possible et imaginable pour un tel projet. L'intérêt qu'on peut trouver dans l'écriture de Lalo, c'est qu'il se moque de tous les préjugés, il se moque des traditions, il invente pas à pas, et il profite de toutes les odeurs, de toutes les saveurs qui peuvent traverser sa vie. Et il ne néglige en tous les cas pas du tout ses racines qui sont hispanisantes. Donc Lalo, c'est un nom espagnol, même si c'est de la troisième génération. Et lui, il est né à Lille et il était français. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise beaucoup ses thèmes, mais il va au-delà, puisqu'il va utiliser la musique marocaine. Il fait une fantaisie sur des thèmes du Nord, la fantaisie norvégienne. Donc on s'aperçoit qu'il y a cette volonté d'ouverture, c'est peut-être un Européen avant la lettre, quelque part. Quand on écoute, par exemple, le Namouna, et on va l'avoir dans une des pièces qui est jouée dans cet ensemble de pièces, qui est une fantaisie sur les thèmes de Namouna. Namouna commence véritablement comme du Wagner. Et donc, voilà, on se retrouve avec un compositeur qui va mélanger un tout petit peu tous les styles, et je trouve que c'est ça qui est une des richesses essentielles. It was a big challenge to start study this concerto because, it demands quite high, I would say very high level of technique and also very sophisticated interpretation. Extremely romantic. There's no question about it. I doubt very much that anybody would disagree with me because it is extremely passionate all the time, and Lalo always finds new ways of being expressive, which is, after all, probably the trademark of being a romantic composer.